Torsen pour tenter de trouver Maurice Sankaré. Attention, attention, le coup franc accordé à Maurice Sankaré. Landry Matondo est derrière lui. Le Gili pour frapper ce coup franc. Détourné par le mur lillois, corner. Heureusement qu'il est détourné de la tête. Ouais, Elana qui remercie son défenseur, c'est Junior Tallo. Ce pressing avec lui. Une sortie de Jimmy Sidibé avec beaucoup de conviction. Il a su glisser ce ballon, il y a faute. L'avantage laissé par M. Fautrel. Junior Tallo, attention à Mounir Omani. Junior Tallo, le tacle. Pénalty. Pénalty. Ouais, il arrive en par M. Fautrel. Même. On va le revoir si Junior Tallo avait raté son contrôle. Il n'avait plus le ballon dans les pieds. Ah, il n'a pas de réussite. Hein. Vichy Makuma sur le coup. Mais tout part d'une superbe intervention, on le reverra avec Mohamed Hassani, de Djibril Sidibé qui avait devancé Sankaré. Regardez, là c'est la fin de l'action. Ah, il touche pas le ballon, il touche pas le ballon. Mais l'attaquant lillois est touché par Vichy Makuma. C'est lui qui a obtenu ce pénalty, la 41e minute. Junior Tallo, c'est dedans, un but à zéro pour les Lillois. 4 minutes de la pause. Ça va lui faire du bien à Junior Tallo. Voilà, premier but de l'année. Vous le dites. Elle joue absolument Adil Lebrun avec son petit extérieur du pied. Vous êtes pourtant bien fait de la part de Sébastien Corchia. Le geste juste de la part du latéral. Ouais, premier ballon touché par Adil Lebrun. De suite, il va provoquer. Extérieur pied gauche. Heureusement que Sébastien Corchia est vigilant. Joue rapidement avec ce rythme donné. Ce pire est trop court. La bonne tête de Soumaoro. Attention au pied droit de Sébastien Corchia. C'est parti, bien frappé. La parade sublime. Horizontale gauche de la part de Nicolas Radovic. Ouais, qui est resté côté ouvert. Pas anticipé la frappe enroulée au-dessus de son mur. Ouais, bien vu Alain. Très bon tirant de coup franc de Sébastien Corchia. Terminé. Qualification de Lille pour les 16e de finale de la Coupe de France 2015-2016. Victoire des hommes de Frédéric Antonetti, 1-0. L'œuvre de Junior.